Yahoo Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une ouverture de colis et ça va être donc une commande faite sur le site de Anime Store. Honnêtement c'est une commande uniquement de Yaoi mais je suis passée par Anime Store car je t'ai déjà expliqué des millions de fois pourquoi je préfère passer par Anime Store plutôt que le site de Bozlove. Bref, toujours est-il, on va ouvrir ça ensemble. J'ai pris les nouveautés de novembre 2021 et je me rappelle même plus des titres que j'ai commandés, très clairement. Voilà, donc toujours envoi très rapide, toujours protégé, etc. Donc bref, voilà, de toute façon c'est un site sur lequel je recommande régulièrement. Et au cas où, pour ceux qui ne savent pas, le site Anime Store, le site en fait des éditions Meian, Hot Manga et Boys Love, voilà. Donc, oh, le colis est un peu trop grand par rapport à ce que j'ai pris, mais voilà. Bon, j'ai pris 5 titres, ok, je m'en rappelais plus. Donc tu vois, ils sont quand même bien protégés, etc. Et ce qui est bien, c'est que le carton, du coup, il est vachement grand. Donc c'est cool parce qu'en ce moment, je fais tellement de ventes Vinted entre mon compte Vinted spécial manga et mon compte Vinted normal. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux comptes Vinted. Ibikiyume et Ibikiyume 2. Et sur Ibikiyume, tu as les mangas et tout ce qui a un rapport un peu avec l'Asie. Et l'autre, c'est des vêtements, objets de la vie de tous les jours, etc. Autre. Et c'est pas que mes affaires, il y a aussi les membres de ma famille. Bref, toujours est-il, voilà la petite pile. Donc, on va avoir proposition idéale. Voilà. Avec un dessin que j'adore. Un type de dessin que j'adore. Alors, je suis assez au milieu, donc j'essaie d'aller un peu plus au début. Voilà. Alors, je te mets tous les liens pour lire les résumés, etc. dans la barre d'infos. Je ne vais pas me mettre à en parler parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Et ce n'est pas mon but. Mon but est plus de te montrer juste mes achats et te dire que dans le mois, je vais essayer de faire deux vidéos. Une vidéo, il y en aura deux. Une vidéo, il y en aura trois pour te les présenter. Ensuite, on va avoir Apprivoise-moi. C'est pas facile à dire. Voilà. Alors celui-ci, je me suis tâtée à me dire est-ce que je le garde pas pour octobre l'an prochain? Mais ça fait un peu long, quoi, quand même. Sachant qu'il est sorti en novembre cette année, ça ferait vraiment 11 mois, ça fait un peu trop loin. Parce qu'en fait, c'est Iruma, un loup-garou. Donc lui, c'est un loup-garou. Donc et il va être en couple, enfin, il va rencontrer un vétérinaire. Voilà. Donc grosso modo, c'est la première ligne. Et je me suis dit, ok, je la lis quand même pour cette année, et puis tant pis. Donc là, je suis vraiment sur les premières pages pour pas trop spoil ou quoi. Voilà, donc la qualité de dessin est vachement sympa et à voir du coup ce que ça vaut au niveau de l'histoire, ça peut être plutôt drôle. Ensuite, on a un titre. Ah mais quel titre? Mais quel titre? Au plus profond de toi. À ne pas sortir de son contexte quand on est sur un yaoi. Oh, les personnages sont mignons, j'adore. J'ai appris à me méfier des illustrations qu'on voit sur les jaquettes. Des fois, c'est pas eux qui dessinent et tout, donc des fois, ça peut être un peu plus joli. Ou ils vont faire plus d'efforts sur l'illustration de la jaquette, et en fait, à l'intérieur, c'est pas forcément aussi cool. Voilà. En quatrième titre, on va avoir des rails. Des rails, je sais pas comment ça se dit. Alors lui, je vais te le dire, le résumé est court. Haru est un jeune garçon plutôt réservé et toujours amoureux de son seul ami Hikaru. Un soir, alors qu'il s'était juré de ne jamais laisser rentrer de filles dans leur colocation, Hikaru brise leur promesse. Furieux, Haru élabore un plan pour se faire succomber Hikaru, mais il ne se doute pas que c'était déjà le cas. Donc, je trouve ça plutôt cool au niveau de... Voilà, le résumé m'a vraiment donné envie.
Voilà. Et pour le dernier titre, c'est Kiss My Broken Heart. Donc, embrasse mon cœur brisé, je suppose. Ouais, le résumé, là, il est trop long, donc je te le lirai pas. Mais ça, je trouve ça toujours bizarre quand tu ouvres le manga et qu'il y a déjà une page dans la jaquette. Bref, on est avec cette fois-ci des adultes et c'est pas plus mal. Voilà. J'adore le mec aux cheveux noirs. Il est très séduisant, je trouve. Voilà. Donc, avant de terminer cette vidéo, je voulais juste préciser que le jour où je filme ça, moi, on est le jeudi 2 décembre. Et que, donc, pour cette semaine, il faut absolument que je lise les deux hentai que je dois présenter sur la chaîne Hentai Biotaku. Ou Biotaku Hentai. Et après, je vais lire ces titres-là en alternance avec One comme One, qui est un shoujo. Je ne sais plus la maison d'édition, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Bref, toujours est-il. Donc, je te mets dans la barre d'infos les deux dates à laquelle je pense. J'ai bien dit je pense, ce n'est pas sûr à deux. Voilà, parce que je ne les ai pas encore lus. À laquelle je pense, du coup, présenter ces titres. De toute façon, vu qu'il y a quand même un bon décalage entre le jour où je filme et le jour où je poste la vidéo, je te mettrai un petit truc pour te dire si c'est confirmé ou pas au niveau des dates. Bref, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à aller voir mes deux précédentes vidéos en rapport avec du coup la société IDP. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted Manga. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye.